Marvin, l'arbitre de la partie, va donner le coup d'envoi. Oh, ça commence fort. Le ballon a été gobé par le diable de Tasmanie. Espérons qu'il ne fasse pas une indigestion. Buster est parvenu à récupérer le ballon. Oh, regardez comme il est déterminé. Oh, il a été stoppé net par le classique bidon d'acier et le ballon a changé de main. Touchdown. Bien, félicitations. Vous avez fait au mieux. C'était pas trop mal. Je suis fier de vous. Mais qu'est-ce que vous racontez? On se fait écraser. Oh, tu dramatises, ils n'ont que 5 points, c'est tout. Et nous, on a moins 25. Bon, s'amuser, c'est gentil. Mais, pitié, aidez-nous à gagner, Charlie. Tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. Tu vas choisir la prochaine tactique. Moi? J'ai le droit, c'est vrai? D'accord. On fait la tactique du cartoon animé. Dizzy, si quelqu'un vient vers moi, tu crées une tornade. Tornade, Dizzy? Sweetie, toi et moi, on va leur faire le jeu Double Toot. Qui tu veux que j'écrabouille? Tous ceux qui viennent vers moi. Ils vont rien voir venir. On va les pulvériser. L'Ouakme semble décidé à revenir à égalité au tableau de score. Je suis d'accord, partenaire Buster est très doué, il n'y a aucun doute, mais il en faudra bien plus que ça pour passer leur défense. Dizzy s'est débarrassé d'un défenseur et permet à Buster de gagner du terrain. Dizzy, sérieux, t'es un vrai boulet. Et l'Ouakme perd le ballon. Oh, joli contre de Timinet grâce à la technique du mur de maillet. Oh, oh, ils ont l'air de bien s'amuser. Magnifique détournement de roquette de la part de Sweetie. Mais le lapin n'a clairement pas de temps à perdre. Buster fonce vers la ligne de touchdown. Oh oh, ça pue. Il s'est fait stopper net par un lasso lunaire. A été renvoyé dans son camp. C'est un coup dur pour Acme. J'ignore ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que Buster ne s'amuse pas tellement sur le terrain. Mi-temps. C'était incroyable! T'es rapide, rusé, c'était trop cool! Mais on est mené au score! Quel est l'intérêt de jouer? Oh, mais il doit revoir ses priorités. Et moi, je dis, je suis la personne idéale pour lui rappeler où je ne suis plus Charlie Lecoq, le vieux schnock qui provoque des électrochocs.